Wow. Wow, Seigneur. Merci pour tout. Vous savez, on va le louer encore, mais je veux juste nous exhorter, nous encourager à la persévérance. À persévérer dans la foi. À persévérer parce qu'on a reçu une vision. L'Ecclésiaste disait, tout est vanité. Tout est vanité. La vision. Chaque être humain a une vision. Et que l'on soit converti ou pas, chaque être humain a une vision, un objectif. Pourquoi? C'est comme ça que le Créateur nous a façonnés. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a rencontre entre un homme et une femme, plus de 3 millions de spermatozoïdes sont libérés. Et ces 3 millions de spermatozoïdes ont chacun un objectif. C'est l'ovule. Donc ça veut dire que tel que tu es là, même sur le plan biologique, le Créateur a fait de toi un visionnaire. Il ne faut jamais l'oublier. Et le manque de vision engendre la confusion. Le manque de vision engendre beaucoup de choses. Quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est quelqu'un qui va chercher à envier les autres. Qui va s'arrêter sur les autres. Là, nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Vous avez des gens qui sont connectés. D'autres sont même présents. Et qui n'ont pas de vision. Et leur vision à eux, c'est, comme ils n'ont pas de vision, c'est de s'attaquer aux autres. C'est de jalouser les autres. Parce qu'il n'y a pas de vision. Et regardez dans le monde. Vous avez des gens qui n'ont pas le Seigneur, qui ne sont pas convertis, qui sont athées, mais qui accomplissent de grandes choses selon les humains. La plupart des choses que nous utilisons, des objets que nous utilisons, portables, ordinateurs, les maisons dans lesquelles nous habitons, les véhicules, qui sont ceux et celles qui sont à la base de cela, souvent ce sont des personnes qui ne sont pas forcément croyantes, des athées,
et nous bénéficions tous de leur recherche. Vrai ou faux? Les grands architectes ne sont pas forcément chrétiens. Les grands ingénieurs. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils sont inspirés par le diable comme on nous l'enseigne tout le temps? Certains, oui. Mais il ne faut pas oublier que cette façon de concevoir les choses, de réfléchir, de raisonner, de créer, ça, c'est la marque du Créateur. C'est comme ça que le Seigneur a créé l'être humain. D'ailleurs, il a dit quoi quand il a créé Adam et Ève? Il leur a dit, portez du fruit. Il leur a dit, dominez sur les oiseaux du ciel. Dominez. Sur les poissons de la mer, sur les animaux de la terre. Dominez. Et l'être humain, après sa chute, malgré sa chute, il a quand même, quelque part, il a perdu la vie éternelle, c'est vrai, mais il a gardé cette, n'est-ce pas, cette qualité, ces dons naturels, parce qu'il y en a plusieurs. Et un jour, en regardant les animaux, un humain, qui n'était pas forcément chrétien, il s'est dit, je veux pouvoir, n'est-ce pas, fabriquer un engin qui vole. En observant juste un oiseau. Qui lui a donné cette capacité-là? Le Seigneur. Mais il ne le sait pas. L'être humain ne le sait pas. À moins qu'il ne soit éclairé. Et celui qui a, le premier qui a imaginé un engin volant, ne savait pas forcément que cette qualité venait du Seigneur, vient du Seigneur. Pareil pour fabriquer un hélicoptère. Eh ben celui qui l'a fabriqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé une espèce de... Je crois que c'est une libellule, tout ça. Pareil. Pour un sous-marin, les dauphins. Les visionnaires. La vision, c'est un fardeau, c'est un projet, c'est une pensée, une conviction qui ne te quitte pas. C'est d'abord une pensée qui vient à l'esprit et que tu vas devoir enrichir, nourrir. Et ensuite, il faut la matérialiser. Ça, c'est la capacité que le Seigneur a donnée à l'être humain. Ils ne sont pas forcément convertis, ces hommes et ces femmes. Alléluia! Il fabrique des médicaments. Il conçoit plein de choses. La vision. Vous savez, il y a aussi la vision spirituelle. Sur terre, nous pouvons avoir plein de projets. Mais la plus grande vision, c'est celle que le Seigneur nous donne pour la vie après cette vie. Le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa grâce, a donné beaucoup de dons à ses enfants. Beaucoup de talents. Beaucoup de convictions. Il y en a qui ont reçu des songes, des visions, qui reçoivent encore des songes et des visions. Mais qui, il y en a qui ont des grâces par rapport au chant. On ne peut pas le nier. Des dons. Mais ils ont du mal à matérialiser ces choses-là. Vous savez pourquoi? À part le péché, qu'est-ce qui se passe? C'est le caractère. Il leur manque le caractère. Quand j'entends par caractère, j'entends par le fait d'avoir le contrôle de soi. Arriver à contrôler ce que l'on entend. Parce que ce que tu entends des autres, ça peut tuer la vision que le Seigneur t'a donnée. Je prends un exemple. Je demande au Seigneur un jour dans la prière, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je m'endors la nuit. Oui, il parle. Même si les religieux disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, il parle.
Il m'a donné un songe, il est venu chez moi, il est venu dans mon songe, il m'a dit, fais-moi la révision de la Bible. Claire. Je n'avais même pas cette pensée-là. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? On va en mission, on fait ci, on fait ça, mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? C'est important de le demander cela de temps à autre. Qu'est-ce que tu veux que, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse, que je ne comprends pas? En me réveillant, je dis, Seigneur, moi, faire ce travail-là. Et en priant, j'ai eu la conviction. Et j'en ai parlé aussitôt aux personnes, aux gens autour. Je me rappelle, un pasteur avec qui on collaborait a dit aux gens, c'est revenu à mes oreilles, non, il faudrait pas qu'il appelle cette Bible-là la BJC, la Bible de Yeshua, de Jésus, mais plutôt la Martin révisée. Je lui dis, écoute, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si lui veut réviser la Martin et redonner à cette Bible le nom de Martin, ben qu'il le fasse. Mais qu'il ne m'impose pas sa vision. Quand j'ai écouté cela, si je n'avais pas de caractère que le Seigneur a donné, bien évidemment, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais être intimidé et j'allais écouter plus l'homme que le Seigneur. La vision. Écoutez bien ce que le Seigneur veut que l'on partage ce matin. Beaucoup dans le milieu des chrétiens échouent alors qu'ils ont reçu l'onction, ils ont reçu des belles voix, des grâces comme pas possible, ils ont des charismes du Seigneur, mais il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de fruit, parce qu'il leur manque le caractère du Seigneur, j'entends par là. Ils ont un caractère humain, l'orgueil, le découragement, le caractère qui les amène, qui peut nous amener au péché, mais pas le caractère du Seigneur, qu'il veut que l'on soit plus à l'écoute de son esprit que les hommes. Donc, contrôler, avoir le contrôle de soi, c'est-à-dire le contrôle de ses oreilles, de ce que tu entends, de ce que les autres disent. Parce que quand on reçoit la vision, aussitôt l'ennemi envoie des gens. Ne croyez pas que tous ceux qui sont là sont du Seigneur. Il y a des gens qui ne changeront jamais parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. C'est livré. Quoi que l'on fasse, ils peuvent chanter, prophétiser, ils ne sont pas du Seigneur. Ne l'oubliez jamais. Et leur but, parce qu'il y en a partout, ces gens-là, dans les assemblées, partout. Leur rôle, c'est de détruire la vision que tu as reçue. C'est ça leur problème, leur rôle, avec la langue, le venin de la vipère. C'est pour cela que le visionnaire ou la visionnaire doit connaître véritablement la vision que le Seigneur lui a donnée, doit développer, avoir une relation avec le Seigneur pour être sûr et certain que le Seigneur lui a parlé. Parce que les gens vont venir. Non, mais nous estimons que, non, nous pensons que si on agit de telle manière, ça c'est mieux. Combien d'hommes et de femmes de réveil ne sont-ils pas passés à côté? J'ai souvent ce témoignage. Le témoignage d'un homme, Evan Robert, était un jeune homme de 25 ans, que le Seigneur a suscité, et le Seigneur lui a communiqué la vision d'un réveil. Mais avant cette vision-là, il y avait deux femmes, deux sœurs, de près de 80 et 83 ans, qui priaient pour le réveil au pays de Galles. Qui priaient pour le réveil pendant des années. Elles étaient presque aveugles. Et voilà comment le Seigneur va susciter un jeune homme, Evan Robert. Il lui a donné cette vision du réveil et il organisait des réunions de réveil. Il y avait beaucoup de conversions, des confessions comme pas possible, des miracles. Il y a eu une vague de puissance, d'onction, de réveil qui a secoué ce pays. Et un couple va le voir. Un couple de croyants, craignant le Seigneur. Mais l'humain a aussi ses propres sentiments. Ce couple va le voir pour lui dire, il y a trop d'idolâtrie, retire-toi. Il a entendu. La foi vient de ce que l'on entend. Au lieu d'aller demander au Seigneur, Seigneur, il y a l'idolâtrie. Qu'est-ce que je dois faire? Dormez pas. Eh bien lui, il s'est retiré. Vous savez combien de temps? Une semaine. Quand il est revenu, il y
n'y avait plus le réveil, le train était passé. Et il est resté. On a entendu des prophéties le 27, où le Seigneur disait, il était descendu nous parler clairement, il a dit qu'il a qualifié, il a disqualifié. Et ça, c'est ce qu'il me disait dans les coulisses. Et je sais que beaucoup sont disqualifiés. Alors qu'ils avaient reçu des grâces. Ils avaient reçu le don de prophétie, vision, de belles voix, de chants, tout ce que tu veux. Mais le caractère charnel, humain, l'orgueil, disqualifié. Je me rappelle un frère qui est avec nous. Écoutez bien. Il n'a pas l'appel pour diriger une assemblée. Ce n'était pas son appel. Il a écouté des gens qui l'ont dit, il faut y aller. Il s'est accaparé d'une église locale. Il a chassé presque tout le monde, conflit avec tout le monde. À l'heure actuelle, 6 ans après, ils ne sont même pas 15. Il n'y a pas de fruits. Et des gens veulent revenir me voir pour que je prie pour eux, mais même si je priais pour vous, ce n'est pas moi qui distribue l'onction. Le Seigneur a disqualifié. Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Tu as entendu les gens, tu as perdu la vision initiale que le Seigneur t'a donnée. Vous voulez qu'on fasse quoi? On n'est pas Elohim. Le Seigneur a dit, c'est fini pour celui-là. Il a perdu la vision. J'ai reçu des menaces par rapport à la traduction de la parole, la Bible. Des lettres, des courriers. Un jour, on parle de la vision. Au 24, je reçois un coup de fil. Un homme qui était dans une assemblée, je crois vers Melun, un monsieur qui se dit chrétien, africain, il me dit, il ne savait pas que c'est moi. Il dit, voilà, j'appelle parce que vous qui êtes à côté de ce monsieur, de Chora, il faut lui dire. Il faut qu'il arrête de vouloir faire des recherches sur le grec et par rapport à la révision, tout ça. Il faut qu'il arrête. C'est fini, ça suffit. La version là, ça suffit. Ça, il y a 2 ans de cela. Donc, le Seigneur savait qu'il fallait qu'on restaure le nom de Yeshua, d'Elohim et tous les noms des personnages bibliques pratiquement. Et on était loin, il y a 2 ans, de faire ce travail-là. Loin d'avoir saisi ça. Il y a 2 ans, pour votre information, je ne savais même pas que Dieu vient de, n'est-ce pas, Zeus. Vous vous rendez compte? Il m'a déjà mis la pression. Il m'a raccroché. Il envoie un courrier par la poste au 24 à Évry. Je l'ai ouvert de menaces. Un long courrier. Il envoie un deuxième courrier. Je n'ai pas voulu l'ouvrir jusqu'à ce jour. J'ai mis ça de côté. Si j'avais écouté ce monsieur-là, le Seigneur allait me disqualifier et prendre ce travail-là, le confier à quelqu'un d'autre. Et parce que je ne l'ai pas écouté, regardez toutes ces richesses que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Parce que je l'ai plus écouté lui que cet homme et d'autres qui me mettaient la pression, regardez comment le Seigneur donne les finances. Vous vous rendez compte? Il y en a à cause de la jalousie, ils vont dire, il a des appartements en France. En France, je n'ai acheté aucun appartement. Parce que je sais qu'il y a tellement de langues de vipères à cause de la jalousie. Même si j'avais acheté un appartement, j'ai pris l'argent de qui? Voilà. Les gens pensent que nous tombons du ciel comme ça. On a aussi une famille. Si dans ma famille, il y a des riches, est-ce qu'il faut que je vous le dise? Tellement de jaloux. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? On va parler. Un jaloux, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer dans sa vision parce que ce n'est pas sa vision. On ne peut pas copier la vision de quelqu'un. Voilà. Hier, vous avez vu, il nous fallait 2000 euros. Hier, hein, avant-hier, parce qu'on est déjà... Samedi, 2000 euros pour prendre cette salle. On a fait les offrandes, on a eu 1700 et quelques.
Quelqu'un, une sœur appelle, elle dit, moi je prends tout, je paye les 2 000 euros. On aurait pu se dire qu'elle donne les 2 000, comme ça on va garder le 1 007. On a dit non, non, on veut être intègre. On avait besoin de 2 000, on a juste besoin de 2 000. On ne va pas demander, on ne va pas prendre ces 2 000-là, non. Parce qu'on a, quand on a un projet, quand il y a une vision que le Seigneur donne, il touche les cœurs et les gens naturellement soutiennent. Et ça suscite de la jalousie chez ceux et celles qui essayent de faire le ministère alors qu'ils n'ont pas reçu l'onction pour ça. Donc la vision, quelle est ta vision? Vous vous rendez compte? Parce que le Seigneur m'a donné la grâce d'obéir, grâce au Seigneur bien sûr, aujourd'hui, en 5 ans et demi pratiquement, c'est ça, 5 ans David, 5 ans? 5 ans? En 5 ans, il y a déjà près de 40 000 exemplaires d'imprimés. Qui peut donner autant de moyens si ce n'est le Seigneur? Et s'il donne autant de moyens, pourquoi? Parce qu'il y a une vision qui est là. Celui qui perd la vision du Seigneur ne pourra pas être heureux sur terre. C'est pas possible. Non. Parce que tu existes pour la vision du Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. La vision. Le Seigneur dit en 2012, voilà, parce que la vision, elle est progressive. Au fur et à mesure que tu adores le Seigneur, que tu marches avec lui, il va te révéler des aspects inconnus de toi, de la vision qu'il t'a donnée, la vision pour laquelle il t'a créé, il m'a créé, la vision pour laquelle il te protège jusqu'à ce jour. Si tu n'es pas encore mort, alors que tu étais dans le péché, j'étais dans le péché, c'est parce que le Seigneur a une vision. Pour toi. Quand il m'a dit, donne l'autonomie aux assemblées. Je me rappelle, des pasteurs qui étaient avec moi, beaucoup m'ont dit, non, 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 il faut pas. Je dis, comment ça? Le Seigneur me dit de faire quelque chose, de me retirer. Vous, vous voulez que je reste là? Pourquoi? Non. Ah, ça n'a pas plu. Il y en a qui m'ont dit, on va faire quoi? Tout à l'heure, en venant, une sœur est venue me voir au début. Elle me dit pardon parce que j'avais de doutes par rapport à la réforme là, par rapport au nom qu'il fallait modifier. Je lui dis, je t'encourage, je te pardonne, t'inquiète pas. Voyez l'opposition, il y en a qui vont s'opposer à toi, non parce qu'ils sont méchants. Ils vont s'opposer à toi par rapport à la vision que tu as reçue, parce qu'ils ne comprennent pas les choses encore. Il y en a qui vont s'y opposer parce qu'ils sont foncièrement méchants, ils sont sorciers, ils sont de l'autre bord. Mais d'autres, non, parce qu'il y a l'ignorance, tout simplement. Mais le problème de beaucoup, c'est beaucoup de visionnaires, hommes ou femmes, c'est qu'ils perdent la vision à cause de la pression, parce qu'ils se disent qu'est-ce que les autres vont penser. Vous vous rendez compte, il y a des frères qui savent jouer au piano. Ils ont de grâce. Toutes ces années de grâce par rapport au piano, tout ça là. Qui peut te donner des doigts que tu as et les utiliser pour jouer correctement du piano? Si c'est le Seigneur. Maintenant, pourquoi il t'a donné cette capacité? Pose-toi la question. Pourquoi? Oh Seigneur. La vision. Celui qui peut détruire la vision que tu as reçue, c'est d'abord toi-même. Satan, souvent on accuse le diable, Satan, Satan, Satan. Oui, Satan nous attaque. Mais il ne peut que utiliser nos faiblesses. Parce que si tu lui dis non, au nom de Yeshua, il va s'en aller. Mais le problème, celui qui détruit la vision que tu as, c'est d'abord toi-même. Mes amis,
une personne qui marche dans la vision que le Seigneur lui a confiée, véritablement, vous pouvez tout faire. Vous n'allez pas l'arrêter. Jamais. Je vous dis, jamais. Jamais. Regardez, c'est pour vous encourager. En 2001, je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Souvent, je demande ça. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Il me donne une vision. Un enfant de 9 ans avec un sac sur la tête. Il tournait en rond. Je lui pose la question, mais où vas-tu? Il me dit, je ne sais pas. Où tu vas? Où tu dors? Tu dors où? Où dors-tu? Il me dit, je ne sais pas. Je me réveille, le Seigneur me dit, construis-moi des orphelinats. L'eau sociale. Qui peut aujourd'hui, on a mis en place le pain quotidien et une équipe a travaillé, a commencé à travailler, Moufiane avec les frères et sœurs qu'il a pu former. Qui peut nier aujourd'hui que grâce au Seigneur avant tout, il a utilisé le Seigneur, cette association, pour encourager les frères et sœurs partout à mettre en place des projets, des associations pour aider les pauvres. Vous avez vu le 27, le nombre d'associations qu'il y a. Encore là, c'est même pas la moitié pour votre information. Non, c'est même pas la moitié. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui étaient là ils ont des services, hein, de ministère social, la compassion, avec des associations qu'ils ont mises en place. Ils n'ont même pas eu le temps de se lever parce qu'on serait resté là toute la nuit. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Vous vous rendez compte? Et ce n'est que le commencement. Et quand j'ai reçu cette vision-là par rapport au social, pour mettre en place des orphelinats, je me rappelle, j'en ai parlé à un ancien pasteur, ami, dirigeant une église de 4000 personnes au Congo-Kinshasa. 4000 personnes. Il a construit un bâtiment qui a coûté des millions en dollars pour son église. Parce que c'est leurs assemblées. Alléluia. Je lui partage cette vision. Je lui ai dit, le Seigneur m'a mis à cœur de mettre en place un orphelinat au Congo, le premier orphelinat, pour aider les orphelins dans le monde entier après. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, laisse les orphelins dans leur situation. Ne t'en occupe pas. Il a une villa immense. Plusieurs véhicules, plus de 4 véhicules. Très riche. Si je l'avais écouté, je serais où? Vous vous rendez compte le nombre d'orphelins que le Seigneur nourrit aujourd'hui en Haïti, Colombie, Côte d'Ivoire, le Ghana, où on a une trentaine d'orphelins, c'est ça, non, une trentaine, qui sont tous atteints du VIH, jetés à la rue. Vous avez vu le nombre d'orphelins que le Seigneur nourrit aujourd'hui grâce à l'association El Jiré au Cameroun? Il faut aller voir nos enfants là-bas. Et on n'est pas satisfait. Vous avez vu la vision? Et je ne suis pas satisfait parce que je suis loin d'avoir accompli quoi que ce soit. La vision. Tu reçois une pensée du Seigneur. Tu reçois un songe. Tu reçois un rêve. J'ai béni le Seigneur pour une chanson ici là en parlant de rêve. Un rêve. Vous avez vu Joseph? Joseph. À l'âge de 17 ans, n'est-ce pas? Il reçoit deux rêves parlant de son avenir. Dans la vision que le Seigneur t'a donnée, dedans, il y a ton avenir. Il y a tout. La vision est comme une richesse que le Seigneur te donne. Ça va? Le Seigneur veut encourager les visionnaires. Oui! Notre génération manque de visionnaires. Nos églises sont si malades. Pourquoi? Parce que beaucoup de pasteurs ne sont pas des visionnaires. Leur vision, c'est le ventre. Manger, 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 manger. Les orphelinats ne sont pas construits. Leur vision, c'est quoi? Construire des églises. Alors que c'est pas ce que le Seigneur veut. Parce que l'église est déjà bâtie. Vous comprenez? Alors eux, ils veulent construire des méga-churches, des bâtiments à leur propre gloire. Mais ça, ce n'est pas la vision du Seigneur. Le Seigneur a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il soit démoli. Jesus Christ. Leur vision, c'est la dîme. C'est manger, 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 manger.
Et quand le Seigneur envoie des visionnaires, on veut le tuer avec la langue. Oh Seigneur, grâce à la vision sociale, une sœur est venue me voir un jour, elle me dit, le Seigneur m'a mis à cœur de mettre en place une maison pour les veuves, je ne sais pas comment m'organiser, on lui a donné des conseils, aujourd'hui une maison, les frères sont donné l'argent, une maison a été construite pour les veuves, et aujourd'hui plus de 200 veuves sont aidées. Et dans le cadre du social, la prochaine étape c'est quoi? La construction des hôpitaux. Alléluia! Dans ces hôpitaux-là, en Haïti, en Amérique latine, Colombie, Venezuela, tout ça, parce que je vous dis qu'on n'a pas encore travaillé vraiment, vraiment, vraiment. Là, c'est que le début. Parce qu'on vient à peine de finir le travail de la Bible, la révision. Maintenant, c'est la prochaine étape, c'est maintenant passer à la vitesse grand V pour construire des orphelinats, des maisons pour des veuves, des hôpitaux, des maternités. Parce que dans le royaume de notre Père, parmi ses enfants, il y a des docteurs. Il y a des infirmiers, infirmières. Maintenant, dans ces hôpitaux-là, en Afrique, tout ça, partout, en Asie, en Amérique latine, aux Philippines, ceux qui vont y travailler, des missionnaires, imaginez maintenant, deux sœurs, deux frères vont partir aux Philippines pour aller, des chirurgiens, dentistes, pour aller soigner les malades pendant 3 semaines. On fait des annonces, les dentistes arrivent. Les gens vont faire la queue. Les malades viennent, pendant que vous arrachez leurs dents, vous intercédez en même temps. Pendant que vous le soignez, vous opérez comme ça, vous êtes en langue, en prière prophétique. Alléluia! Vous voulez que je parle, frère? Il faut que notre mentalité change. Tu es médecin. Tu es infirmier. Tu sors de chez toi, tu vas au travail. Tu finis le travail, tu rentres chez toi. Mais tu ne sais pas qu'en tant qu'infirmier, infirmière, tu es missionnaire, tu es visionnaire. Il y a des malades dans des pays qui n'ont même pas d'infirmiers. Donc on va s'organiser, on fait des offrandes s'il le faut. On te paye le billet, mandaté. Tu pars avec des médicaments. Il y a des gens qui vont être soignés par la prière. Gloire au Seigneur. Les démons, on les chasse. Mais ceux qui ne sont pas soignables comme ça, hein, spirituellement, qui peuvent l'être physiquement, eh ben, tu peux leur faire des piqûres parce que tu es... N'est-ce pas? Médecin, il faut que la mentalité change, la vision. La vision. L'hôpital de Pau en France nous a donné du matériel médical. Il y a un appareil qui nous a été donné. Parmi les appareils qu'on a reçus, il y en a un qui... C'est un appareil de laboratoire qui coûte plus de 40 000 euros. Et parce que nous sommes en train de préparer un conteneur pour pouvoir l'envoyer en Afrique, on va ouvrir un hôpital, notre premier hôpital en Afrique. Nous ne savons pas encore exactement dans quel pays on est en train de voir. Et on a déjà des frères et sœurs là-bas qui sont médecins, notamment un grand chirurgien en Côte d'Ivoire qui a une clinique qui lui appartient. Et... Cet appareil-là, parmi les appareils qu'on a reçus, il y en a un qu'on utilise pour purifier le sang. Vous vous rendez compte, au Congo RDC par exemple, il n'y a pas un appareil comme ça. Ni à Brazzaville, ni en Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte? Et beaucoup de chrétiens sont là, pas de vision. Leur vision, c'est, à part le micro, c'est se faire la guerre les uns contre les autres. Leur vision, c'est se montrer sur WhatsApp, c'est moi. On va parler. Converti depuis 10 ans, 15 ans, on dit, tu as fait quoi? Fais le bilan de ta vie chrétienne. Ah non, mais bon, les gens sont méchants. Donc toi... Ton disque là, c'est toujours ça. Les gens sont méchants. Mais c'est écrit que l'homme est méchant. La vision.
Un jour, des frères sont venus me voir. Poupon, je crois que c'est toi. Vous êtes parti au Congo, RDC. Vous avez trouvé quelqu'un avec des boyaux à l'extérieur, non? Viens voir, viens s'il te plaît. Il faut que notre vision change. 2020 doit être une année de changement de mentalité. Au nom de... Poupon, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes parti au Congo? Donc, on avait ramené des vêtements. Et il y avait des femmes qui étaient justement, qui avaient accouché. Elles étaient enfermées prisonnières à l'hôpital. Donc, elles étaient des prisonnières, en fait, pendant 2 ans, 3 ans, parce qu'elles n'avaient pas de quoi payer pour sortir de l'hôpital. Donc, par la grâce de Dieu... Trois ans. Il y avait de 3 ans. Et donc, on a pu, par la grâce d'Elohim, on a pu payer. Et il y avait un jeune homme, justement, il devait se faire opérer. Il avait tous ses boyaux qui étaient complètement ouverts, en fait. Ouverts. On voyait ses intestins. On voyait tout. Et ça nous a tellement fait mal. Mais pourquoi ils ne l'ont pas cousu? Pourquoi ils l'ont pas... Parce que, justement, il n'y avait pas l'argent pour l'opérer. Et il lui manquait combien? C'était 500 dollars. 500 dollars juste pour qu'on le paie, pour qu'on ferme. Pour qu'on ferme. Et il restait comme ça pendant combien de temps? Donc il faisait ses besoins justement au niveau du dehors en fait. Hein, je ne sais pas comment expliquer ça. Et c'était chaud quoi. Donc après on a dit effectivement opérez-le, nous on va voir pour payer. Et vous avez payé? On a payé et après quelques jours on est venu le voir, il était tout content. Voilà. Donc c'était un peu ça quoi. La vision. Proverbe 29. Verset 18. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre. Mais heureux est celui qui garde la Torah. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre. Regardez certains pays. Quand je vois la RDC aujourd'hui, mon pays d'origine, on voit bien qu'il n'y a pas de vision. Donc il y a du désordre. On viole, on assassine, on viole des bébés de 2 ans, des enfants, bébés de 6 mois, en toute impunité. Désordre, chaos, le chaos. Et ce n'est pas le seul pays. Lorsqu'on regarde la terre aujourd'hui, le monde, c'est le chaos. Le chaos. Problème de vision. Manque de visionnaire. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui va penser, anticiper l'avenir. Il peut voir les choses grâce au Seigneur, j'entends par, je parle des visionnaires spirituels, même dans le monde, hein, il peut voir un visionnaire, une visionnaire, voir les choses 15 ans avant les autres. C'est-à-dire un visionnaire est toujours en avance par rapport à son temps. C'est pour cela qu'ils ne sont pas compris. Je crois que je parle à quelqu'un qui pense que le Seigneur lui parle. T'as vu, tu rigoles. Parce qu'il est en avance par rapport à son temps, ses contemporains cherchent à le bloquer, le freiner. Et là, ils le font sciemment, méchamment, d'autres parce qu'ils sont ignorants. Le visionnaire est souvent hors du temps. Elia dit à son serviteur, va dire à Acab qu'il va pleuvoir. Mais il n'y avait encore aucun nuage. Le ciel était clair. Il dit, je vois la pluie. Les autres disent, mais il n'y a pas la pluie. Son propre serviteur dit, il n'y a pas la pluie. Et il dit, vas-y, va regarder. Il dit, il revient 7 fois. Il n'y a pas. Au bout de la 7e fois, il dit, oh, il y a quelque chose. Le ciel s'assombrit. La vision. Élisée dit à son serviteur. Le serviteur d'Élisée dit, oh Seigneur, nous sommes entourés de l'armée étrangère. Et nous sommes seuls. Élisée dit, non, 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 non. Élisha dit,
ceux qui sont avec nous, ils étaient à deux seulement, hein, sont plus nombreux que ces armées-là. Oh, il est malade celui-là, là. Et il dit, Yahweh, ouvre les yeux. Le Seigneur lui a ouvert les yeux, il a vu l'armée des cieux. Cette année-là, c'est l'année de visionnaire du royaume céleste. Là, il faut qu'on acclame plutôt le Seigneur. Alléluia! Beaucoup me disent, Seigneur, frère, que le Seigneur nous aide. C'est quoi ton secret? Bien sûr, c'est Yahushua, le plus grand secret. Mais c'est aussi la détermination. Quand le Seigneur me parle clairement là, même si tu es de ma famille et que tu me dis, fais pas ça, je préfère me séparer de toi et faire ce que le Seigneur me dit plutôt que d'être dans les sentiments là. C'est comme ça. Et les gens, à cause de ça, vont dire, il n'y a pas l'amour. Il est méchant. Combien aujourd'hui qui hier disaient, ils sont égarés. C'est fini. Combien n'ont-ils pas dit, tout s'écroule. Quand tout s'écroule. Oh, son appel s'écroule. Ah bon? Quand le Seigneur m'a parlé, tu étais là? On dit quand on dit l'orgueil. Non. La vision. Hein? On va encourager les gens qui ont reçu des visions et qui tremblent. Qui tremblent parce que ils sont entourés de gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de foi. Le Seigneur appelle Moshe, il lui dit, va libérer mon peuple. Seigneur, avec quoi? Il dit, avec le bâton que tu as dans ta main. Voilà le visionnaire. Il ne vient pas avec une grande armée. Hein. Il va en Égypte, il dit, non, je viens vous libérer. On lui dit, mais avec quoi? En face de toi, il y a la plus grande armée au monde. Moïse lève le bâton, il dit, avec ça. Maintenant, ce bâton-là, tu peux le minimiser parce qu'il est simplement un simple bâton. Mais quand le bâton se retrouve devant l'adversité, il change. C'est dans les épreuves que l'on voit les visionnaires. Parce que face à la mer rouge, devant la mer rouge, derrière l'armée égyptienne, le peuple dit, non, c'est fini pour nous. Moïse, le Seigneur dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Prends le bâton. La vision. Le Seigneur ne te donne pas en tant que visionnaire des millions, non. Les gens disent, oh, j'aurai beaucoup d'argent. Mais demandez même à ceux qui me connaissent de près. Si je vous dis avec combien nous vivons par mois, vous allez vous dire, mais c'est du mensonge. Je vous dis. Vous venez de faux. La vision. C'est la vision qui t'enrichit. Le Seigneur, il vient, il donne la vision. Je vous dis une chose, regardez. Qui connaît Agar? Dans la Bible, non? Qui connaît Agar? L'histoire d'Agar. Qui croit que Agar avait un enfant avec Abraham? C'est écrit, non? Ok. Qui croit que Agar a été chassé par Sarah? Ok. Qui croit qu'à un moment donné, avec l'enfant Agar, quand il est parti de chez Abraham, elle a manqué d'eau. Qui croit que Agar était découragée? Ok, c'est vrai. Elle a posé l'enfant quelque part. Elle s'est mise à part. Elle a commencé à dire, ah, c'est fini. La Bible dit, Yahweh a entendu la voix de l'enfant. Non la voix d'Agar. La voix de l'enfant. Pourquoi l'enfant? L'enfant avait la vision. Oh, alléluia. L'enfant était la semence d'un visionnaire. Je veux parler à vous. Oh. La semence d'Abraham était dans cet enfant-là. Donc comme Abraham, elle, était un visionnaire, le Seigneur ne pouvait qu'intervenir. Parce qu'il avait donné la vision à Abraham.
Vous voyez ce que je veux dire? Les gens vont dire, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Si tu les écoutes, fini. Ils vont dire, tu es têtu. Si tu es têtu selon les hommes, là, c'est dangereux. Mais si tu es têtu parce que le Seigneur t'a parlé, ça, c'est pas... Tu n'es pas têtu. Non, tu es persévérant. Tu es visionnaire. Le visionnaire marche par avec la vision. C'est comme la vision, c'est comme un bébé que le Seigneur t'a donné. Quand je vois ici là, je ne suis pas. C'est pas ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a dit des rois, des présidents seront touchés. Je n'ai pas encore vu. Pour l'instant, c'est seulement un ou deux présidents là que pour qui on a prié là. Deux présidents seulement. Là. C'est pas beaucoup. Je vous dis. Mais pas beaucoup. La vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre. Oui, parce que la vision te donne des directives. Tu sais où tu vas. Attends, on a construit combien d'universités où des gens peuvent recevoir l'enseignement? C'est-à-dire de la maternelle jusqu'au Gabon, on a seulement quoi? Deux maternelles, c'est ça, non? Ça existe encore? Deux maternelles où les gens, même des musulmans, envoient leurs enfants pour étudier là-bas. Mais il nous faut l'école primaire, il faut collège, lycée, tout ça. Vous croyez quoi? Université? La vision. Nous avons combien de frères ici qui sont intelligents? La vision. Autre chose. La vision qui me fait tenir jusqu'à ce jour. Vous savez laquelle c'est? Yéhoshua, la nouvelle Jérusalem. J'ai eu la grâce de visiter cette ville. Ah non. Quand les gens viennent pour des riches que l'on croise ici et là, je leur dis, mais vous avez de l'argent, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Parce que ce que j'ai vu là-haut, la vision que j'ai vue là, ce que j'ai vu là-haut, je veux y être. La Bible dit par rapport aux hommes et aux femmes de foi, dont il est question dans Hébreux 11, s'ils avaient en vue le pays d'où ils sont sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais ils avaient la vision céleste. Frère, je suis un insatisfait. De tous les jours. La beauté du ciel, la beauté des anges. Non. Nous sommes partis en Centrafrique. Le Seigneur dit, sortez de la salle, là. Allez ailleurs. Les frères m'ont dit, mais on a loué, on a payé. Je leur ai dit, non. Si vous voulez rester, moi je sors. Partons. Mais on va aller aujourd'hui, on va évangéliser dehors. C'est ça la vision pour l'instant. Là. On est parti dehors. Je vous ai dit l'histoire, je vous ai raconté, non? Au bord de l'eau, il y avait des pêcheurs avec leurs pirogues qui étaient là. Beaucoup de gens. Une femme était là avec son bar, la musique à fond, les gens buvaient l'alcool. Au bord de l'eau, en Centrafrique, à Bangui. On est parti dehors. On a commencé à louer, au bord de l'eau, à chanter, à proclamer l'évangile. Les gens qui buvaient leur alcool nous regardaient comme ça. Le Seigneur me saisit, je rentre dedans. Pendant que la musique jouait, hein, musique profane, parole de connaissance sur chaque buveur d'alcool. Alléluia! Oh! La propriétaire du lieu dit, enfin, elle a donné sa vie au Seigneur, elle a dit, désormais ici, là, je donne ça pour l'assemblée. On a fait plusieurs baptêmes ce jour-là. La plage était remplie de monde. Fallait voir. La vision. Au début, quand j'ai commencé, quand le Seigneur m'a appelé, je tremblais un peu quand même. Hein, faut être sincère. Hein. Quand je vois les visages des gens, je dis bon. Mais depuis que j'ai compris comment ça marche, grâce au Seigneur, tu peux dire tout ce que tu veux.
Oh, tu peux dire gourou. Vous n'avez pas vu? Maintenant, on... sorcier. Ça ne tue pas la vision. Ce sont des vitamines pour la vision. La visionnaire que tu es, tu dois souffrir. Dans un couple, quand il n'y a pas de vision, c'est le désordre. Bah oui. La vision. Tu veux fuir les gens parce qu'ils sont méchants? Tu n'as pas compris la vision. Le Seigneur se sert des méchants pour tailler la vision que tu as reçue. Pour te tailler, te façonner. Bah oui. Parce qu'en tant que visionnaire, que tu le veuilles ou pas, tu es envoyé auprès des hommes. Il y en a, leur vision, c'est de parler du Seigneur dans leur quartier. Vous vous rendez compte, beaucoup de chrétiens qui ont reçu des visions, il y en a quand ils sortent évangéliser, des pasteurs qui leur disent, mais vous avez, qui vous a donné l'autorisation? Vous vous rendez compte? Le Seigneur les envoie, on leur dit, non, non, surtout pas. Surtout pas. La vision. On voit ce travail que le Seigneur a fait. On bénit le Seigneur. Des millions de gens bénéficient de ce travail. Plus de 100 000 téléchargements juste avec l'Android. Téléphone Android. Vous vous rendez compte? On n'est pas satisfait. Mais c'est déjà pas mal. Et on continue encore à prier pour ça. Mais si on écoutait les hommes, tu vas aller loin. Même dans ton projet de mariage, il y a des gens qui vont s'y opposer. Je parle du mariage qui vient du Seigneur. Les gens vont dire, non, tu sais, il n'est pas riche. Joseph avait reçu les deux visions là. Il n'était encore rien. Le Seigneur a pris 13 ans pour le préparer. 13 ans. Hein? Quand on reçoit la vision, on est dans la joie. On la raconte à tout le monde. Et souvent, les gens qui entendent cela vont être dans la jalousie. Pas tous, mais certains. Mais il se prend pour qui celui-là? Elle se prend pour qui? Songe, il n'y a que ça. Le Seigneur prend Joseph. Il l'envoie à l'école. Vous savez l'école où c'est? En Égypte. Avant de travailler pour le Seigneur, Joseph a appris à travailler d'abord pour Potiphar. Celui qui est fidèle dans les choses d'autrui, le sera dans ce qui sera à lui. Chez Potiphar, d'abord ses propres frères, le combat a commencé à la maison. C'est d'abord là où tu vis que le combat va commencer. On va te menacer. Si tu continues comme ça, on te chasse. Tu fais comment? Alors que tu as reçu la vision. Tu vas obéir aux hommes ou tu vas écouter le Seigneur? Sachant que si tu écoutes le Seigneur, tu vas être seul. Dans la solitude. Rejeté. Traité de tout le nom. Une vision doit d'abord être rejetée. Bah oui. Et si tu écoutes les gens qui la rejettent, si tu le suis, tu seras rejeté, et toi, et la vision, par le Seigneur. Deuxièmement, la vision doit être combattue. Quand les gens vont voir que tu ne veux pas changer de vision, ils vont commencer à t'attaquer maintenant. Attaquer ta personne. À t'accuser faussement. Sorcier, gourou. Oh, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Tes vœux de mort. Mais tes vœux de mort, mais ils sont toujours là connectés à regarder tes vœux de mort. Moi, quand quelque chose produit la mort, je ne m'arrête pas dessus. Donc, tes vœux de mort, mais t'es connecté comme ce soir. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu es jaloux, repens-toi, et nous allons prier pour toi. Et si le Seigneur te fait grâce, tu peux recevoir un peu d'onction pour faire l'œuvre. Alléluia! Oh, le Seigneur vraiment est magnifique. La vision est rejetée, mais il faut persévérer. Ensuite, la vision va être combattue. Et toi, et la vision. N'avons-nous pas dit qu'il ne faut plus parler en ce nom-là? En ce nom-là, vous vous rappelez, non? La vision. Ah oui. Et troisièmement, une fois que la vision est rejetée, deuxièmement combattue, eh bien la vision va devenir une évidence. Les gens vont dire, bon, c'est comme ça maintenant.
elle sera établie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur a donné des talents aux gens. Il leur a dit, fructifiez-les. Il y en a un. Il est parti. Il en a ramené plusieurs autres. Le deuxième, pareil. Le troisième, problème de vision. Il a reçu la vision. Il a reçu la grâce. Il a reçu les dons. Mais il avait peur. Voilà la peur. La peur de ce que les gens penseront. La peur de ce que les gens vont dire. La peur des propos des gens, du regard des gens. Parce que tu aimes entendre les gens plutôt que le Seigneur. La peur par rapport à ce que tu vois t'empêche de rentrer dans le plan ou dans le projet du Seigneur pour ta vie. La peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé enterrer ce don-là. Enterrer. La dernière fois, on était en prière. Une sœur, pendant qu'on priait, a reçu clairement. Le Seigneur lui disait, tu vois mon serviteur, tout ce que je lui ai de faire, il le fait. Quand je lui ai mis à cœur de changer, de restaurer les noms d'origine, il n'a pas regardé aux gens. Il a fait. Le Seigneur disait, alors qu'il a demandé ça à des gens, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait. À part Chouraki. Mais dans la francophonie, beaucoup n'ont pas osé. Parce qu'ils ont peur d'être rejetés par leur synagogue. La peur d'être exclus de leur pastoral. La peur! Le Seigneur cherche dans cette génération des hommes et des femmes qui vont oser, qui ne tremblent pas devant Jézabel, qui ne fuient pas. Des hommes et des femmes qui, une fois qu'ils ont entendu le Seigneur parler, et qu'ils disent, Seigneur, nous voulons faire ce que toi tu veux. Et 2020 doit être une année de détermination. Une année où tu te dis, Seigneur, quoi que les gens disent, je ne ferai que ce que toi tu veux. Des pasteurs qui disaient non à ce travail envoient des gens dans les coulisses pour prendre un exemplaire. Oh non, non, c'est terrible. Et ce n'est pas fini. Le visionnaire que tu es, une fois que tu es combattu, le Seigneur va t'imposer dans ta génération. Il t'impose. Et je crois que quelqu'un ici, le Seigneur va l'imposer de plus en plus là. Hein? Ils l'ont vendu, non? Ils l'ont accusé. La femme de Potiphar, les frères de Joseph le tuent. La femme de Potiphar l'accuse faussement. Tu dois être accusé faussement. On va te prêter des intentions. Je vous dis. Elle a dit à son mari et aux gens de la maison, cet hébreu a voulu me violer. Vous savez, quand on fait des vidéos contre toi, quand on t'insulte, quand on fait des commentaires méchants, surtout par des proches, et que tout le monde commence à dire, c'est vrai parce qu'ils étaient avec cet homme, avec cette femme. Tout le monde commence à prêter l'oreille. Mais laissez les gens parler. Parce que quand le Seigneur t'a donné la vision dans les coulisses, là, ils n'étaient pas là. Laissez les gens parler. La vision. On doit t'accuser de sorcellerie. On doit t'accuser de tous les noms. Ce n'est pas fini, c'est que le début. Attends-toi à subir toutes sortes de choses. Ils ne seront pas d'accord avec toi. D'ailleurs, si tout le monde est d'accord avec toi, c'est que c'est grave. Il faut qu'il y ait de l'opposition. Moi, quand il y a l'opposition, quand les gens insultent, maintenant, ce que je fais, je prie, je bénis Dieu. Le Seigneur, je dors. Quand les gens me disent, t'as vu quoi? Faut le laisser passer. Laissez tomber. Laissez. Le Seigneur, on l'a traité de qui? De quoi? On a dit non, il a un démon, littéralement. Possédé. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le visionnaire le plus grand du monde? Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Quand on venait le voir pour dire, viens manger, il dit non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Quand il a dit aux apôtres, je vais mourir, vous avez vu ce que Pierre a fait, non? Pierre a dit quoi? Viens Seigneur, viens. Viens. Attends, deux secondes. Moi, Pierre, j'ai quitté ma femme pour te suivre. Quand on a besoin du poisson, on n'a plus besoin de prendre nos filets.
tu pries, ça se multiplie. Le pain, le boulanger a fait faillite. Fini. Tu pries, il y a du pain. On mange à l'œil, on mange à volonté, à gogo. Et tu dis que tu vas mourir. Littéralement, il a dit, aie pitié de toi-même. Viens. Il n'a pas voulu le reprendre devant tout le monde. Hein? Il était quand même un tout petit peu respectueux. Il dit, viens à côté un peu là. Tu ne mourras pas. Hein? Voilà le visionnaire. Hein? Il part de la mort. Lui, il pense que Yeshua était dans la dépression. Alléluia! Il dit non. Je vais mourir et vous allez être sauvés. Seigneur, attends. Quand on regarde un film, l'acteur principal, s'il meurt, le film est censé s'arrêter. Maintenant, en quoi ta mort à toi peut nous donner plus de pain, peut nous soigner, peut nous guérir? Le Seigneur dit quoi? Arrière de moi, Satan! Oh! Le Seigneur, effectivement, on l'a arrêté. Le visionnaire. On l'a crucifié. Vous avez vu, quand on l'a arrêté, Pierre a dit quoi? Courageux qu'il était là. Avant qu'on ne l'arrête. Seigneur, ok. Jusqu'à la mort, je serai avec toi. Un visionnaire peut être abandonné de tous. Mais il faut garder la vision. Tout le monde a dit la même chose, Seigneur. Jamais. Le Seigneur, il n'a même pas voulu prendre. Il connaît l'homme. Et quand ils sont venus l'arrêter, le premier à se tailler là. On dit Pierre. Sauve qui peut. Cette vision est dangereuse. Il y a des visionnaires. Tu ressens la vision. Il y a des gens qui vont faire ça. Oula. Ils vont regarder de loin. 5 ans après, quand ils voient le fruit, ah, magnifique. Ah, c'est beau. Ah, c'est magnifique ce travail-là. On a prié de loin. Hein? Alléluia! Acclame le Seigneur, frère! Non, frère, tu sais, j'étais convaincu. Mais le Seigneur m'a dit de me mettre en retrait pour intercéder. Il a dit, non, je te comprends. Il n'y a pas de souci. Et il ne faut pas rejeter les gens qui reviennent. Être visionnaire, c'est être, avoir un cœur de père. Qui a reçu une vision? Et les autres n'ont pas de vision. Regardez, qui veut se marier? Assurez-vous que les gens, les hommes que vous voulez vous épouser, ont épousé la vision que vous avez reçue. C'est capital. Assurez-vous, assure-toi mon frère, que celle que tu veux épouser a épousé ta vision. C'est ça aussi le mariage. On ne se marie pas pour se marier. Tu as reçu la vision. Joseph, 13 ans de formation. Il a souffert. 13 ans. Et quand le Seigneur l'a élevé, ses propres frères qui lui disaient, tu ne vas pas régner sur nous. Ils étaient les premiers quand il y a eu la famine. Alléluia. D'aller en Égypte. Parce que le Seigneur t'aime, il va imposer ceux qui t'ont combattu. Il va leur imposer ta présence. Je te dis, attends-toi à recevoir un coup de fil. Ah, ma soeur, est-ce que tu peux venir prier? Parce que là, ça chauffe. Il y a des gens, le Seigneur ne va les guérir qu'en passant par toi.
pour leur montrer à quel point il t'a choisi. Je vous dis. Et quand tu es persécuté, il faut rester dans le silence. Quand tu es blessé, il faut rester dans le silence. Moi, je ne comprenais pas. Quand on m'insultait sur Internet, vous me connaissez quand même, non? Le sang chaud, là. Je disais, bon, on va tailler ce monsieur, on va faire une vidéo, là, on va s'organiser. Le Seigneur disait, celui-là, il n'est pas encore bien mort. Pourtant, l'onction se manifestait, hein? Et il faut que je l'achève encore. Mais là, aujourd'hui, il faut même plus s'arrêter. Allez, on avance. S'arrêter sur ses ennemis, c'est leur donner, comme on dit, du gaz. C'est ça, non? Voilà. Parce qu'il y en a, ils cherchent à être connus. Pour être connus, ils vont se servir de vous. Ils vont parler contre vous pour que les gens s'arrêtent sur eux. Si toi, tu t'arrêtes sur eux. Donc, continue ton chemin. Le diable est venu plusieurs fois me dire, ne réponds pas à l'appel. Je le regardais, je dis, au nom de Yeshua, tu t'en vas. Tu t'en vas. Les démons sont venus. Au nom de Yeshua. La sirène, une fois dans ma chambre, la sirène est venue, matérialisée comme ça. Elle s'est matérialisée, elle est venue. Je sors au nom de Yeshua. Un jour, le diable est venu me voir. Il me dit, tu es un champion. Tu es un champion. Non, 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 je ne suis pas un champion. Sors au nom de Yeshua. La vision. Un jour, il est venu dans ma chambre encore, le diable, en personne. Il faut voir ses yeux tout rouges. Je vois le ciel qui s'ouvre. Je vois Michael, l'archange Michael. Mes amis, il devait mesurer au moins 10 mètres. Un gaillard qui descend. Parce que tu as reçu la vision, le Père a envoyé des anges. Guerriers qui sont avec toi. Alléluia. Il y a des intouchables. Laissez-la. Il est là. Il est là. À cause de la vision que tu as reçue, tu deviens dangereux. Voyez les guerriers là, les visionnaires dans le royaume du Père, les messagers. Le message de la réforme des cœurs, c'est la vision que le Seigneur donne à l'Église en ce temps de la fin. Voilà pourquoi cette vision bouillonne dans ton cœur comme un feu. Tu ne peux plus rester sur place. Tu as à cœur de bouger. Tu ne comprends pas. Les gens veulent te faire asseoir. Mais toi, tu sens que tu dois bouger. Tu dois bouger. Tu dois parler. Tu dois marcher. Tu dois courir. La vision. Avec la vision du Seigneur, tu vas traverser des frontières. Et les démons qui sont dans ces frontières, qui sont tout au long de ces frontières, vont te laisser passer. Parce que tu as le mandat du Seigneur pour la mission. Confiez. Jesus. Un visionnaire ne court pas après les gens pour qu'ils soient ses partenaires financiers. Un visionnaire ne s'impose pas. Un visionnaire ne demande pas l'argent aux gens. Un visionnaire ne dit pas aux gens, venez prier chez moi. Non. Le Seigneur recommande lui-même les visionnaires qu'il a établis. En fait, tous les disciples de Yeshua sont des visionnaires. Et leur vision première, c'est la proclamation de Yeshua par leur vie, en portant des fruits, par leur vie, en manifestant la nature d'Adonai. Dans leur famille, dans leur quartier, dans leur ville. Leur vision, c'est d'adorer le maître. Leur vision, c'est de porter les fruits que le maître a portés.
Ces visionnaires, on ne voit pas leurs photos ici et là. Ils ne se présentent pas eux-mêmes. Ils sont cachés. Cachés dans la simplicité, dans l'humilité, dans la sanctification. Ces jeunes femmes visionnaires sont sanctifiées, sont des modèles dans une génération où il n'y a plus de modèles. Elles chantent, mais elles laissent le Seigneur les recommander. Elles laissent le Seigneur envoyer des gens pour leur demander de chanter. Parce qu'elles savent ce qu'elles ont reçu. Elles n'ont pas besoin de faire la demande ici et là. C'est le Seigneur qui les pousse. Le Seigneur qui envoie des gens les chercher. Jesus Christ. Oh! Visionnaire. Et quand on avale un visionnaire, on ne peut que le vomir. Parce que la vision qu'il a reçue ou qu'elle a reçue est comme un feu. Jonas était avalé. Mais on n'avale pas le visionnaire. On n'attaque pas le visionnaire n'importe comment. Parce que quand tu attaques un visionnaire, le Seigneur voit que c'est la vision qui est menacée. Et la vision en question, c'est des milliers d'âmes qui doivent être sauvées. Et le Seigneur ne peut qu'intervenir. Ne détruis pas la vision céleste que tu as reçue par le péché, par la cupidité, par le péché, convoitise, mensonge, sorcellerie. Ne laisse aucun péché détruire la vision que tu as reçue. Tu dois traîner avec des visionnaires, des gens qui vont t'encourager dans ce que le Seigneur te donne comme mission. Tu dois marcher avec les sages pour être sage. Tu dois marcher avec les sanctifiés pour être encore encouragé à la sainteté. Les gens qui n'ont... Un aigle ne traîne pas avec des canards. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Jesus, la gloire est là. Tu es un aigle. Un aigle est un visionnaire. L'aigle se promène dans les hauteurs. L'aigle chasse depuis le rocher. Tu es un aigle. Je vais parler aux aigles. Je vais parler aux aigles qui sont appelés à s'envoler avec le Seigneur, à aller proclamer le retour du Messie. Allez parler de la réforme présente. Allez parler de la réforme présente. La gloire arrive. Jesus. La gloire est là. La gloire est là. Jesus. La vision que tu as reçue quand tu t'es converti, que l'ennemi a voulu détruire par le péché, par la peur, par le doute, parce que les gens te font douter. La vision que tu as reçue, le Seigneur la ressuscite aujourd'hui. Le Seigneur la réveille aujourd'hui. Le Seigneur la ressuscite aujourd'hui. Tu ne dois plus te défendre toi-même. Tu ne dois plus utiliser ta langue pour te défendre. Tu dois être dans le secret, dans l'humilité, dans la prière et laisser Adonai te défendre. Jesus Christ. La vision. La vision, c'est quoi? C'est l'espérance que le Seigneur t'a donnée. L'espérance. Les gens disent c'est fini, mais tu sens au fond de toi que ce n'est pas fini. Tu vois non comme les gens voient, mais comme le Seigneur voit, tu entends comme le Seigneur entend. Même si tout le monde dit c'est fini pour toi, mais au fond de toi, tu sais que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Job pouvait dire, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier. Pendant que ses amis disaient c'est fini pour toi. Sa femme même dit béni Elohim et meurt. Oh, Job dit non. Je ne mourrai pas. Quelqu'un a dit, David, mais je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de Yahweh. Ben oui, tu as été créé pour ça. Tu as été créé pour ça. J'ai été créé pour ça. Pour qu'au travers de toi, ta vie sanctifiée, ta vie qui porte des fruits, ta famille, que les gens voient que Yahweh est vivant. Que les gens voient que Yahweh est glorieux. Que les gens voient que Yahweh est glorieux. Que les gens voient cela.
Jesus Christ. En tant que visionnaire, quel que soit ton âge, ne laisse aucune femme, jeune homme, te faire tomber dans le sexe. Tu dois être un guerrier. Tu dois être un visionnaire. Tu dois voir plus le ciel que la femme. Tu dois voir plus le ciel que le sexe. Quand tu vois une belle femme séduisante, eh bien, regarde la beauté du Seigneur. Ne perds pas de vue la beauté du Seigneur Yahushua. Alors ne perds pas cette vision-là. C'est possible d'être jeune et de ne pas tomber dans le péché sexuel. C'est possible de servir le Seigneur dans la sainteté jusqu'à la fin de son parcours. Si Moïse l'a fait, si Élie l'a fait, si Élisha l'a fait, si Paul a réussi, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus forts que toi. C'était des hommes ordinaires. Mais ayant un Elohim extraordinaire, tu peux y arriver grâce au Seigneur. Je peux y arriver grâce au Seigneur. Parce que c'est lui qui est le plus fort. C'est lui qui a remporté la bataille. C'est lui le plus grand visionnaire. Alors cette année, ta vision, ce n'est pas l'argent. Ta vision, ce n'est pas le ministère. Ta vision, ce n'est pas une femme, un homme. Ta vision, ce n'est même pas le mariage. Cette année, ta vision, c'est le ciel. Parce que nous irons au ciel. Parce que nous allons au ciel. Ta vision, c'est le royaume. Le royaume! Jesus! Oh, on l'acclame! On l'acclame! On l'acclame! On l'acclame! Jesus! Alléluia! Avant de finir, vous savez pourquoi il faut une réforme? C'est à restaurer nos cœurs de la sanctification, la sainteté. Parce que la plupart de nos églises n'ont qu'une vision terrestre, l'argent. Une vision passagère, le matériel. Vision passagère. Il faut qu'on retrouve dans la réforme présente la vision du ciel. Quand nous nous sommes convertis dans les années 80, ce qui nous motivait, c'est le message sur l'enlèvement de l'église. Voyez, ce message-là, on ne le prêche presque plus. Sur l'enlèvement de l'église. Voilà notre vision. Être enlevé pour être avec le maître. L'argent, c'est du papier. Des feuilles avec de l'encre. Ne ratez pas le ciel à cause de l'argent. Les belles voitures, c'est de la tôle avec de la peinture. C'est rien ça. Notre évangile, c'est pas ça. T'es riche, si t'as pas le Seigneur, ben tu es pourri. Ta richesse est pourrie. Et on n'en veut pas de ton argent. L'argent. C'est quoi l'argent? Ça appartient à César. C'est quoi les beaux vêtements? Rien. Les belles maisons? Rien. Il faut revenir à l'essentiel. La vision. Quand il n'y a pas de vision, l'église s'abandonne au désordre. Voilà le désordre dans nos églises. L'impudicité, l'adultère, toutes ces choses-là. Cupidité. Des hommes que l'on chante. Des pasteurs qui ont pris la place du Seigneur volontairement. Qui mettent leur photographie partout. Des chantres orgueilleuses. Des gens qui chantent orgueilleux. Qui peuvent dire, je m'en fous, on s'en fout de ce que les gens pensent. Non. Quand tu es un visionnaire, tu ne t'en fous pas de ce que les gens pensent. Tu dois t'en ficher de ce que les gens pensent si tu es dans la sanctification. Mais si tu vis dans le désordre, tu oublies même que tu n'impactes pas les gens correctement. Les gens vont parler, le nom du Seigneur sera blasphémé à cause de toi. Donc tu ne peux pas dire que tu t'en fous. Non. Si tu crains le Seigneur, oui, tu peux dire peu importe ce que les gens disent. Mais si tu es comme une star du monde, dans le péché, habillé comme les gens du monde, parlant comme les gens du monde, alors que tu es visionnaire, tu chantes, mais tu détruis ta vision par ton caractère charnel et tu auras de compte à rendre au Seigneur. On aura de compte à rendre au Seigneur. Ici, là, je vous dis, il y a des gens qui viennent ici juste pour recruter, pour prendre les téléphones des gens qui ont la vision pour les détruire. Ils ne sont pas du Seigneur. Ils passent leur vie à aller de maison en maison pour critiquer les frères, pour détruire les autres. C'est la semence du diable. Il y a des gens que je connais personnellement depuis des années. Et je peux dire aux frères, celle-là, il n'y a rien à faire. Son caractère-là, l'a éloigné de la vision du Seigneur initiale.
ça fait du surplace. Les gens vont dire, non, mais il est méchant. Mais des années après, ils disent, ah, il avait raison. Le visionnaire voit toujours à l'avance parce que le Seigneur lui parle. Le caractère, c'est ce qui tue beaucoup. Le caractère. Le caractère. Le caractère. La vision. La vision du ciel que le Seigneur me donne. Quand je prie, quand je lis la parole, quand je vois la nouvelle Jérusalem, quand je vois cette demeure céleste que le Seigneur est parti préparer pour nous, je me dis, l'argent c'est quoi par rapport à tout ça là? C'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent? C'est quoi les finances? C'est quoi? Ça va? Oh Seigneur, merci pour cette femme. Pourtant, tu as un trésor, mais tu le détruis. Tu sais combien les gens que le Seigneur veut sauver par les chants que tu peux recevoir? Ah oui. Tu sais combien les gens? Des cantiques que tu reçois là. Tu sais combien? Le Seigneur t'a donné combien les chants? T'en as reçu combien? Combien? Et il faut que le caractère marche avec. Pour que des millions soient touchés. Je dis aux frères et à ceux qui ont reçu des chants, qui ont reçu de belles voix. Laissez-la. Vous avez vu le nombre de chantres, de chanteurs, de musiciens chrétiens soi-disant, qui sont devenus des stars dans le monde? Vous voyez sur YouTube, non? Qui font des concerts payants, alors qu'on ne doit pas faire payer aux gens la grâce qu'on a reçue. C'est la grâce. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez vu le nombre de chantres qui font des selfies avec des gens. Mais vous, vous avez reçu des voix. Vous avez reçu la grâce. Mais vous n'avez pas compris qu'il faut laisser le Seigneur façonner votre caractère pour que vous apportiez la réforme dans ce domaine. Pour que les gens voient qu'il y a autre chose. Qu'on peut être chantre comme David. Dans la sainteté, dans la simplicité. Le Seigneur vous demandera des comptes. Pourquoi il déverse cette onction-là? Pourquoi il déverse cette gloire-là? Ce n'est pas pour nous amuser. C'est pour préparer les élus. Les vrais enfants d'Elohim reçoivent la parole, reçoivent des manteaux, reçoivent l'éclairage et ils vont aller plus loin. Cette année, c'est l'année où le Seigneur va disperser beaucoup. Beaucoup vont partir ailleurs. Beaucoup vont partir jusqu'aux Antilles. Après des années en métropole, beaucoup vont rentrer au pays avec des manteaux d'Élie, des manteaux de guerriers. Ils étaient ensemble. Le feu est tombé. Et ils se sont dispersés tous pour aller répandre le feu. Il y a des gens ici qui vont rentrer en Afrique. Des couples déménager en Afrique. Et je vous dis, le feu du réveil là. Ha ha. Ha ya 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 ya. Il y en a, ils vont rentrer en Guyane. Et le feu du réveil. Il y en a, ils vont rentrer au Chili. Le feu du réveil. Je vous dis, hein. C'est l'année, c'est le temps de la dispersion encore. Ah, tu comprends pourquoi tu as à cœur ton pays aussi. Il y a des gens qui vont aller dans les provinces reculer. Ça va bouger. Bouger. Jesus Christ. Oh, oh. Oh, 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 Seigneur. Oh Seigneur, il y a même des Antillais qui vont s'installer en Afrique, en Asie. Le fardeau, tu as le fardeau, tu as la vision sur le fardeau que tu as reçu là.
ce fardeau que tu as. Le Seigneur dit que prenez mon fardeau avec vous. Prenez mon fardeau avec vous. Le fardeau du Seigneur. Oh. Voilà pourquoi ton futur mari doit être celui qui porte le fardeau que tu as reçu. Ta future femme doit porter le fardeau que tu as reçu. Et tous les deux, vous allez intercéder. Vous allez prier. Vous allez jeûner. Vous allez chercher la prière, le Seigneur. Et là, avec vos enfants, comme Josué qui disait, Yahushua, moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Et ce sont des familles que le Seigneur revient chercher. Avec ton mari, ma soeur, tu vas servir au Seigneur. Avec tes enfants, toute la famille. Comme Noah, toute la famille. Et quand on va être enlevé, le maître va enlever des familles comme ça là. Toi avec tes enfants, partant pour le ciel. Jesus Christ. Oh oui. Il y a des gens qui avaient perdu la vision ici. Dans la miséricorde du Seigneur, le Seigneur restaure cela. Restaure ta vision. Restaure cela. Oh, alléluia. Tu vois, quand tu partages ta vision, les gens disent c'est la folie. Hein? Ah non, c'est la folie là. Bah oui, c'est normal. C'est normal. Le Seigneur va lui-même mettre des gens avec toi, avec qui tu vas travailler. Un visionnaire ne cherche pas ses collaborateurs. C'est le Seigneur qui lui envoie des gens avec qui travailler. Jesus Christ. Hallelujah! Jesus. Oh, on peut l'acclamer, oui. Oh! Oh Seigneur! Seigneur! Notre travail à nous, même quand nous ne comprenons pas vos visions, ça peut arriver, nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite. Waouh! Tu reçois la vision pour prêcher à la télévision, vas-y au Gabon. La vision pour aller à une radio, une chaîne de radio, pour parler, vas-y. La vision pour rassembler les jeunes du quartier, vas-y. Pour t'occuper des veuves, des orphelins, vas-y. Pour aider les SDF dehors, vas-y. Ah oui, tu vois. Ça peut arriver que tu manques la réunion d'église de dimanche. Mais le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Il peut te dire ce dimanche-là, va dehors. Va à la gare de telle ville. Ben vas-y. Même si tout le monde dit non, non, non. Vas-y. La vision. Tu as péché? Alors ne laisse pas, ne reste pas dans le péché. Sors de là. Tu peux sortir de là. Tu peux sortir de là grâce au Seigneur. Tu peux. Ne laisse pas la tristesse détruire la semence que tu as reçue. Pour finir, des pasteurs m'ont dit, non, Chora, non, frère, faut laisser. C'est compliqué. Ce n'est pas possible. Tu as une guitare, tu chantes, vas-y, faut foncer. Faut foncer. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Il te met à cœur d'aller dans un train pour chanter, pour parler ensuite. Il faut y aller. Il faut y aller. Il y a trop de désordre. C'est comme une lampe en cette génération. Une lampe. Une lampe. Ne baisse pas les bras. Parce que les autres sont hypocrites. Le visionnaire ne s'arrête pas sur l'hypocrisie des gens. Il voit au-delà. Il est persévérant. Il est constant. Il est déterminé. C'est ce que Yahushua nous a dit. Il nous a laissé comme modèle. Et nous, on est là pour s'encourager. Nous sommes là aussi pour vous encourager.